Amis d'Isbe Oxygène, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Rescue HQ The Tycoon. Mais avant de commencer, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à l'exprimer par un like, un commentaire ou un abonnement. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. D'ailleurs, si vous voulez toujours plus de contenu, retrouvez-nous pour toute l'actu au quotidien sur xboxygène.com ainsi que sur Twitch pour nos lives. Rescue HQ est la première production de jeux de gestion du studio Still Alive. Auparavant, ils ont produit un jeu d'action-aventure basé sur la magie et des puzzles, Son of Nor, paru en 2015, puis une simulation de gestion de bus avec Bus Simulator en 2018. C'est donc dans ce nouveau registre de jeux de gestion que le studio se lance afin de conquérir les joueurs au travers de ce nouveau jeu de gestion de police, pompiers, de centre des urgences médicales et des gardes-côtes. Rien que ça, Rescue the Tycoon nous propose différentes campagnes pour des mises en situation centrées sur un de ces trois pôles majeurs. Tantôt la police, les pompiers ou les médecins, mais l'ensemble des services seront toujours nécessaires lors de chaque mission. Ces scénarios font office de tutoriel et comportent un certain niveau de difficulté afin de maîtriser les rudiments du gameplay et de se lancer dans le mode bac à sable. Au travers de ce test, comme dans tous les jeux de gestion testés jusqu'à présent par mes soins, j'aborderai le portage console, la boucle de gameplay ainsi que tous les éléments distinctifs du genre de jeu de gestion. Outre les missions scénario qui servent simplement de thème pour mettre en avant un des trois principaux services, c'est une grande caserne qu'il faudra gérer de A à Z. On passera par la création des locaux, de l'achat des fournitures et équipements jusqu'au recrutement du personnel. Concernant la diversité des équipements présents, c'est vraiment impressionnant la diversité et la quantité d'outils disponibles. En revanche, c'est un vrai casse-tête de tout mettre à disposition. On manque souvent de place, et j'y reviendrai. Rescue HQ propose donc un large éventail de mises en situation. Chaque service aura ses besoins et son équipement distinct, entre l'arsenal de la police ou les multiples équipements médicaux pour les urgences, sans oublier les nombreux véhicules en adéquation avec les différentes interventions. Il faudra par exemple des équipements spécifiques pour les interventions liées aux incendies et d'autres pour un accident de circulation par exemple. La variété est aussi de mise et il faudra mettre à disposition tous les équipements disponibles afin de réussir correctement les interventions. En plus de la gestion des équipements, il faudra répondre aux différents besoins de nos effectifs. Il faudra créer des salles de détente, des chambres, des toilettes, des salles de bain, des cuisines et des salles de formation. Et pour rajouter une couche, il faudra également créer un bureau pour chaque service, afin de recevoir des candidats, gérer la paperasse, des interventions, avec d'autres bureaux pour le service de la police, pour les enquêtes, avec l'aspect juridique et j'en passe. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à construire au niveau de cette petite gestion. Et oui, c'est plutôt complet, mais est-ce que c'est vraiment utile? Concernant les équipements, c'est impératif presque tous les avoir, mais concernant le reste, nous avons fait le test avec et sans toutes ces autres salles. Outre une ou deux démissions sur l'ensemble d'un scénario, ça ne change pas grand-chose dans son déroulement. Nous avons fait le test sur un scénario facile et un autre moyen, et le résultat est quasi identique, très peu d'impact sur la finalité de la partie. Et faire l'impasse sur toutes ces salles est un vrai bonheur, tant on manque cruellement de place sur les cartes de chaque scénario. Parce que oui, le nombre d'équipements à disposition demande énormément de place. Rien que pour la police, entre l'armerie, les trois types d'équipements d'anti-émeute, les snipers, les drones, la division canine et quelques autres encore combinés aux pompiers qui demandent peut-être le double d'équipement, et les médecins, le triple, on se retrouve très vite à court de place, sachant qu'il ne faut pas juste une armerie. Des fois, il va nous falloir peut-être deux armeries, deux équipements anti-émeute et trois snipers. Heureusement qu'on peut déverrouiller des véhicules qui possèdent parfois des équipements spécifiques, mais ne comblent pas l'équipement requis pour la mission. Bah oui, ce serait trop simple. Par exemple, sur certaines interventions, comme je viens de le dire, il faut deux unités canines, quatre armes d'assaut, deux snipers, plus de l'équipement pour les pompiers, et en plus d'autres pour les médecins. La gestion de la caserne devient plus un Tetris qu'autre chose, et ça gâche réellement l'expérience de jeu, et encore une fois, lors des scénarios. Malheureusement, il en va de même dans la maniabilité à la manette. Le portage n'est pas très au point, les menus ne sont pas très ergonomiques pour sa navigation, et se balader sur la carte est une vraie corvée, puisque le curseur avance de case en case et ne traverse pas les obstacles dans le décor, de sorte qu'il faut suivre les couloirs que l'on a créés pour aller de salle en salle.
Il arrive même parfois que le curseur se bloque tout seul et qu'il faut attendre quelques secondes pour le faire rebouger. Autre point très négatif, j'ai eu deux sauvegardes corrompues et des cas où je ne pouvais tout simplement pas sauvegarder. Nous n'avons pas réussi à déterminer les situations qui font que le bug arrive, mais nous vous conseillons de vérifier en chaque début de scénario et de partie bac à sable si vous pouvez sauvegarder. Si ce n'est pas le cas, relancez les jeux et vérifiez de nouveau. D'un point de vue gestion de la caserne, nous n'avons aucune statistique, aucun tableau de bord pour suivre toutes les progressions que ce soit. Il y a bien un rapport financier, mais cela ne va pas plus loin. Nos effectifs peuvent monter de niveau et se spécialiser au hasard dans un domaine d'intervention, et nous aurions bien aimé influencer leur spécialisation. Avec leur formation, par exemple, connaître le détail de leurs besoins, que ce soit pour les salles annexes, s'ils ont besoin de plus de lits, plus de salles de repos, par exemple. Même lorsque l'on crée d'énormes salles de bain ou de salles de repos, entre autres, les statistiques ne fluctuent pas. On ne comprend pas toujours comment combler le manque de besoins. Pour le coup, autant ne pas placer les salles annexes. Et pour terminer, la boucle de gameplay a vraiment du mal à se renouveler entre les différents scénarios. Le manque d'influence que l'on a sur le jeu est que seul le fait de placer l'équipement compte réellement nous rend plus ou moins passifs sur la gestion d'une partie. Le déroulement se résume à créer la salle, acheter les équipements et les véhicules, et enchaîner parfois au rythme endiablé les demandes d'intervention, qui requièrent souvent et même toujours le même nombre de ressources. Nous avons tout de même passé presque 15 heures sur le jeu pour effectuer le test, mais 8 heures auraient largement suffi à faire le tour de l'expérience proposée, là où d'habitude nous pouvons facilement dépasser et nous perdre à 2 à 3 jours de temps de jeu avant de nous lasser du jeu. Ici, ça se compte vraiment sur une poignée d'heures. On va donc aborder les points positifs. Le nombre d'équipements, une vraie caserne, et c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Les points négatifs, les bugs de sauvegarde, nous avons jamais assez de place, finalement peu adapté à la manette dans la navigation des menus, et également très minimaliste tout compte fait. Pour conclure, Rescue HQ The Tycoon a de bonnes bases, mais lisse et raccourcit vraiment le cœur de l'expérience. Nous manquons toujours de place, les lieux de construction sont ridiculement petits par rapport au nombre impressionnant d'équipements et de salles mises à disposition. C'est pourquoi nous vous invitons à privilégier le mode bac à sable avec une zone de construction beaucoup plus grande. En revanche, il offre une bonne porte d'entrée au genre et pourrait plaire à un public plus jeune qui adore jouer aux policiers, pompiers ou médecins. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions, comme dit en introduction, n'hésitez pas à partager vos avis, liker et s'abonner, ça aide vraiment la chaîne. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube et sur Twitch, et surtout pour toute l'actu au quotidien sur xboxygène.com. Allez, salut salut!